Good morning, allez Yiden, et tu seras aujourd'hui Leilo Nishmat, Nissim Ben Aouda, Sarah, Bat Hana Rachel, et Rachel, Bat Sarah, ainsi que le Fouat Ariakeba Ben Shachar, et Rufel, Zvulun Ben Chayam, et Amator, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, protéger sa communauté éternelle, nous étudions Maserhet Avot, Perek He, Mishnah Yud, Arba Midot Ba Adam, Haomer Sheli Sheli, Veshelcha Shelcha, Zomida Benonit, ויש אומרים זו מידת סדום שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך ושלך שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע. On va commencer maintenant une série de Mishnayot où on va parler de différentes conceptions de la vie. On va s'amuser à classer les différentes approches à un même sujet. Là en l'occurrence, on va s'intéresser au problème, au rapport social entre les hommes, et la Mishnah nous enseigne Arba Midot Ba Adam. Vous trouvez qu'il y a quatre conceptions de la vie chez les hommes dans le rapport avec autrui. Les capitalistes, les socialistes, les bons gens et les mauvais, ou les politiciens, je dirais. Alors on a comme ça, Arba Midot Ba Adam. Quatre types de conceptions de Midot, parce que c'est directement nommé, quatre formes. Littéralement, Midot, c'est des mesures, ça peut être des traits de caractère. Là, en l'occurrence, c'est pas tellement des... C'est plus des approches à la vie, d'accord ? À Omer, Sheli Sheli, Veshelcha Shelcha, Zo Mida Benonit. Celui qui dit, ce qui est à moi, est à moi, et ce qui est à toi, alors c'est la Mida Benonit. C'est la mesure moyenne, c'est la mesure commune, Benonit, ni plus, ni moins. Il n'est pas mauvais, il est simple. Chacun y vit sa vie, chacun y rentre chez soi. Il gagne son argent, il le dépense pour lui-même, il ne l'en donne pas à l'autre, même quand il est dans la nécessité. Et aussi, c'est bien ancré chez lui que si l'autre, si lui-même il sera dans la nécessité et que l'autre il en aura, il n'ira pas lui demander. Chacun vit chez soi, parce que chacun il a ses entrées, ses sorties, et on vit comme ça très, quelque part, assez, si je peux dire égoïstement, ça veut dire sans être mauvais, sans vouloir prendre ce que l'autre il a. Donc la Mishnah qualifie que c'est une Mida Benonite. Il n'y a pas d'interdit en soi-même, mais c'est une mida très moyenne, qui est ni tzadik, ni... Ça se ferme à l'autre. Comme ça, tel est le premier avis qui nous dit zo mida benonit, tandis que veya shomrim zo midat sdom. Certains disent que dans l'essence, c'est la mida de Sdom, la fameuse ville de Sdom, où les gens ont développé une perversité anormale. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le capitaliste, chacun pour soi. On donne pas d'argent ni à l'État, ni aux pauvres, ni aux trucs. Chacun, il se débrouille tout seul, il gagne son argent. Et bien, la Mishnah nous enseigne que Zo Midat Sdom, que c'est la Mida, c'est la conception, la mesure qui va nous amener, Chas V'Shalom, à devenir comme les gens de Sodome. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces gens de Sodome? Et bien, ce qui s'est passé, c'est que le Bartonor, il explique quand c'est quelque chose de très profond. Les filles Amaasim Nimshachim Alevavot. C'est une grande règle. Autant qu'on dit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron en français. Il faut savoir que c'est la même chose dans les Midot. C'est en donnant à l'autre que je vais ouvrir mon cœur à l'autre. Et c'est en me fermant à l'autre que je vais me fermer à l'autre. Et la suite logique de ça, que si je vais commencer à me fermer à l'autre, à ne pas vouloir l'aider dans sa nécessité, parce que finalement, mon argent, j'en ai besoin pour moi, j'en ai besoin pour mes petits soins, pour mes besoins, et puis, doucement, doucement, donc je ne vais plus rien donner à l'autre, et bien on va arriver dans une situation où finalement, même sur les choses... que ça ne me coûtait rien de le donner à l'autre, je tout de suite me sens, non, c'est à moi, je ne vais pas lui donner. Et puis finalement, je vais tellement me renforcer dans cet égoïsme et égocentrisme, que finalement, même lorsque je vais vouloir quelque chose que l'autre est là, je vais commencer, au bout du compte, à le convoiter et à le désirer, et à vouloir me l'accaparer, comme c'était justement le cas à Sdom, où ils sont devenus pervers envers les pauvres, en train de piller les pauvres, ça devenait interdit. Plus personne ne pouvait passer dans cet endroit parce qu'ils avaient interdit de faire l'arnasa torim, de donner quoi que ce soit. C'était devenu tellement ancré que chacun doit vivre pour ça, chacun dans la vie doit s'en sortir tout seul, sans aider l'autre, que chacun se débrouille. Et ben, c'est comme ça qu'ils sont tombés à Sdom et à devenir ensuite à développer une philosophie de vie complètement ahurissante jusqu'à qu'Hachem, il a vu qu'ils étaient tellement raïm vechataïm, ils étaient tellement mauvais dans l'âme qu'Hachem n'a plus eu le choix que de détruire cet endroit. Abraham Avinu n'a pas réussi à trouver 10 hommes normaux dans cette ville, juste 9 Bekoshi, difficilement. Donc Hachem a été obligé de tout renforcer ces villes parce qu'ils étaient devenus beaucoup trop pervers, où il n'y avait plus rien à espérer d'eux. Donc ça, c'était pour la Midas d'homme. Sheli Shelcha, Veshelcha Sheli, Am Haaretz.
ce qui est à moi, je te le donne. Moi aussi, ce qui est à toi, tu me le donnes. Socialiste, communiste. Alors la Mishnah nous dit, ça c'est un Am Haaretz. Littéralement, le mot Am Haaretz, ça veut dire d'abord, par association, on a l'habitude de traduire un Am Haaretz, c'est un ignorant. Mais littéralement, le mot Am Haaretz, c'est le commun des hommes qui travaillent la terre. C'est-à-dire, ça vient de nous dire que ceux qui construisent un bon monde, c'est eux qui font ça. Ils ne sont pas des grands tzadikim, ils ne sont pas Rishayim, en tout cas, ils réussissent à bien développer leur pays. Ça, c'est littéralement le mot Am Haaretz. Et quel est le problème de ces hommes, justement, c'est qu'ils ne connaissent pas la suite de la Mishnah, que justement, il y a marqué Sheli Shalach, Meshelcha Shalach, Chassid. Ce qui est à moi, je te le donne. Mais ce qui est à toi, je ne veux pas le toucher, je te le laisse. Même lorsque j'en ai besoin, je préfère moi vivre moi tout seul. Chassid, ça c'est un homme extra qui en fait, qui est généreux, qui est, là, le mot généreux c'est plus, ouais, un vrai généreux mais dans le sens plus chassid avec Hachem, qui est quelqu'un qui a des midot parfaites. Quelle est la particularité de ça? Le principe est simple, c'est qu'il voit l'autre pour l'aider, mais il ne garde pas en tête le fait que ça vaut le coup que j'aide l'autre pour en récupérer quelque chose demain. À la différence du précédent, que Sheli Shelcha Veshelcha Sheli, alors on est en train de créer une société d'entraide. Et on me motive à aider l'autre, parce que finalement, peut-être que demain, je serai dans la nécessité, et puis j'en aurai besoin. Donc, il vaut mieux qu'on soit tous des gens qui s'entraident entre nous, entre eux, et donc comme ça, au moins, bon, ça me coûte peut-être aujourd'hui, mais finalement, ça fait pas de mal, ça crée une société assez homogène, où il y a de l'entraide, et donc demain, si je serai dans la difficulté, on m'aidera. Et bien ça, ça s'appelle un maharet, ça veut dire vous développez un bon pays, mais il vous manque quelque chose d'important, de comprendre qui est. Il y a une mala de ne jamais profiter de l'autre. Si tu veux avoir des bonnes midot dans la vie, la bonne mida, elle consiste à ne pas chercher à profiter de l'autre, au contraire, aider l'autre sans vouloir en toucher un quelconque dividende. Parce que sonne matanot ichie, il y a un passage dans Michel qui nous dit, celui qui haït les cadeaux, il vivra, il n'est jamais contraint de quoi que ce soit à faire plaisir aux autres, au-delà de ce qu'il est capable de donner, à vouloir changer ses avis, ses conceptions, à ne pas vouloir dire ce qu'il a à dire. Ouais, s'il a un reproche à faire, imaginez, ouais, c'est le problème, par exemple, si je suis financé, si moi, le 5 minutes, il est financé par quelqu'un de pas tellement bon, qui fait d'Averot, par exemple, ouais, parce qu'il me donne de l'argent, je vais pas oser lui reprocher. Alors sur ça, là, le pasteur qui vient nous dire, sonnez maintenant, tirié, aïe, les cadeaux, et comme ça, tu vivras, tu te sentiras jamais asservi et contraint, tu n'agiras jamais dans la contrainte, tu agiras toujours ce que tu penses qu'il faut faire parce qu'Hachem veut que tu le fasses, sans en faire entrer d'autres considérations. Et bien sûr, la dernière mida, c'est le Sheli Sheli, le Shelcha Sheli, celui qui dit, ce qui est à moi, il est à moi, ce qui est à toi, tu me le donnes aussi. Je veux vivre sur le compte des autres sans moi jamais rien donner. Alors Chas V'Shalom, c'est un rachat, c'est un mauvais, c'est un impie, même si aujourd'hui finalement, d'accord, c'est une manière, c'est sûr que cet homme-là, il va finir par faire des graves avérotes, puisqu'il lui manque l'équilibre normal, la conception normale de voir que ce qui est à l'autre, c'est à l'autre. Et je ne cherche pas à me l'accaparer. Et au contraire, il a l'habitude de ne recevoir que de recevoir constamment. Donc son sens, c'est ça que c'est un rachat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.